Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Donc je suis dans le quartier de Arashiyama à Kyoto, qui est une place touristique populaire, parce que ça permet d'être juste à l'extérieur de la ville. Et il y a tout un système où il y a un grand parc, il y a une rivière, il y a des collines, il y a des vues, il y a aussi des activités, on peut faire du bateau, des choses comme ça. Et il y a également toute une forêt de bambous. Et enfin, pour finir, il y a toutes les petites rues traditionnelles avec plein de types boutiques. Donc c'est un quartier qui est assez grand hein, à voir. On peut très bien passer une journée complète ici sans le moindre problème, ou au minimum une demi-journée. Le problème qui se pose, c'est qu'en fait, il y a toujours tout le temps du monde. Donc j'ai essayé de chercher, en fait, s'il n'y avait pas des moments où ça pouvait être un petit peu plus creux. Et puis finalement, en fait, c'est toujours pareil. Donc le week-end, il y a du monde. Mais finalement, même en y allant en milieu de semaine, que ce soit à n'importe quelle heure, en fait, il y a toujours du monde sur ces types de places touristiques-là. Donc effectivement, c'est pas évident. Alors, un petit peu moins de monde quand même que, je me souviens, quand j'y avais été une fois, il y a quelques années de ça, c'était beaucoup plus rempli que ça. Mais il y a quand même assez de monde. Donc là, par exemple, je me suis isolé un petit peu dans une petite partie de parc pour pouvoir un petit peu respirer, parce que sinon c'est un petit peu l'un des problèmes ici, c'est qu'il y a une densité de population. Et là, simplement avec le tourisme local, en fait, tout simplement juste avec le tourisme local, il y a énormément de gens quand on arrive sur la place touristique. Donc ça fait quand même une foule. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir quand on est au Japon, pas forcément avec des touristes étrangers, simplement avec le tourisme local, c'est déjà, quoi qu'il arrive, rempli. Alors l'avantage hein, de Kyoto, c'est que clairement, il y a énormément de choses à faire dans la ville et en périphérie de ville. Ça veut dire que c'est un spot central, et de ce spot central-là, on peut faire, il y a beaucoup de choses à voir, il y a des quartiers en fait... quartier typique, il y a tout un quartier géant typique, c'est la ville du Japon où il y a le plus de temples réunis. Ça veut dire qu'on peut se balader en ville et au milieu de la ville on peut avoir un temple qui va être géant. Il y a des quartiers qui sont entièrement typiques. Dès qu'on sort un petit peu, ben, très rapidement en fait, il y a un petit peu ce type d'endroit. Il y a des collines, des rivières, il y a des petites randonnées également qu'on peut faire. Donc dès qu'on sort légèrement de la ville, juste en périphérie, c'est toujours à chaque fois accessible, hein, accessible en train. C'est-à-dire qu'il y a plein de lignes de train qui font toute la périphérie de Kyoto et qui vont un petit peu dans toutes les directions. Ça veut dire que n'importe quel endroit est desservi par le train. On peut faire quasiment tout à pied. Et voilà, donc tout est parfaitement bien desservi par le train. Là, par exemple, pour venir ici, c'est... On arrive à la station, on sort et puis on est directement sur la place. Et puis après, de la station, on peut venir marcher. Il y a aussi un lac qui est par exemple pas très loin, qui s'appelle le lac Biwa. Et là, c'est pareil, ça voit peut-être 20-30 bornes. Et il y a simplement à pareil, prendre la bonne ligne de train. Et directement, on peut s'arrêter tranquillement au bon endroit. Donc tout est vraiment desservi, ce qui fait que... c'est très pratique. Ouais, c'est très très pratique parce que déjà on n'utilise pas de voiture dans un premier temps, mais dans un deuxième temps on peut vraiment aller très rapidement d'un point A à un point B en utilisant les transports en commun. Là par exemple, il faut juste aller à la gare centrale, et de la gare centrale on va en fait n'importe où. On peut aller n'importe où, on peut aller rejoindre Osaka aussi très rapidement en même pas 20 minutes. Il y a aussi au sud le coin de Nara où il y a un parc gigantesque qui est pas mal. Donc il y a C'est un point central en fait, on peut faire plein de choses en se logeant par exemple à Kyoto. D'autant que Kyoto, il y a un petit peu plus de logements en termes de prix qui sont un petit peu plus abordables que dans certains endroits. Donc c'est plutôt une bonne option en point central, et par exemple naviguer un petit peu autour de ce point central là. Allez, je vais montrer quelques images hein, que j'ai prises au fur et à mesure.
Thank you.